du coup, on est mercredi, la caméra hier en fait, parce que je voulais vous faire la chronique de ces deux livres, mais j'ai totalement bloqué sur la chronique de celui-ci, j'essaie de m'y prendre, enfin je m'y suis prise à plusieurs reprises et j'arrivais pas à vous faire la chronique parce que j'ai pas aimé ce livre en fait. À chaque fois que j'en parlais ou que j'essayais d'approfondir un petit peu les critiques que je voulais faire au livre, et ça devenait méchant, donc du coup j'ai pas réussi à vous en parler. Ça m'a énervée, du coup je me suis dit bon c'est pas grave, on verra ça plus tard. Du coup faut quand même que je vous en parle, et faut que je vous parle aussi de mes deux autres lectures en cours. J'ai pas énormément avancé sur mon Cocorico Challenge, parce que là on doit être vers le mi-mois de septembre, vers le 15, quelque chose comme ça. Et j'ai pas lu énormément, et là du coup depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai juste lu ces deux livres qui sont pas très longs, et j'ai quasiment pas avancé dans Chronique du Pays des Mers. Donc voilà, faudrait que je m'active, mais c'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal de trucs, j'ai pas mal de boulot parce que j'essaie de... Oui, alors en fait j'ai prévu d'ouvrir une boutique en ligne, une boutique sur Etsy pour vendre les choses que je fais en couture, et du coup peut-être que ça vous intéressera. Et en fait à la base j'avais prévu d'ouvrir la boutique pour le 21 septembre, sauf que comme ma machine est tombée en panne et que j'ai pas eu de machine pendant un mois, j'ai pris un petit peu de retard. Donc là c'est vrai que je me dépêche pour faire un maximum de choses, mais de toute façon ça sera certainement pas prêt pour le 21 septembre. Mais du coup voilà, je fais pas mal de trucs en ce moment, et en plus j'ai des migraines, donc du coup c'est vrai que quand je me mets à lire je lis 20 pages et puis je m'endors, donc c'est pas franchement idéal pour avancer dans le challenge. Mais là je sais pas, aujourd'hui je me suis levée tôt, j'ai pu faire déjà des trucs ce matin, donc je vais essayer d'activer encore un petit peu cet après-midi, et j'espère qu'en fin d'après-midi je pourrai me poser une heure ou deux pour lire, pour avancer là-dedans, parce que voilà. Bref, alors du coup pour les deux livres que j'ai terminés, j'ai donc terminé le tome 2, non je vais commencer par celui-ci parce que c'est celui-ci qui me pose problème. Du coup j'ai lu Mère Morte de Aurélie Wallenstein, qui était mon premier roman de l'autrice et en lequel je plaçais vraiment beaucoup d'espoir. Franchement je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'étais très déçue et que j'ai vraiment pas trop aimé ma lecture. C'est parce que je me faisais toute une montagne de Aurélie Wallenstein, je pensais vraiment que j'allais adorer, que ça allait être génial et tout, parce que en fait la particularité, enfin en fait cette autrice, tous ses romans ils ont des synopsis hyper bizarres avec un côté très sombre, et vraiment je trouve que toujours le synopsis est super original et donne super envie, et donc du coup je m'imaginais que, enfin et comment dire, et en fait je pensais que ce côté sombre et original j'allais plus le retrouver dans le roman, et finalement j'ai été très déçue parce que pour ce roman, à part le concept de base, j'ai rien aimé en fait, j'ai pas aimé. Alors peut-être que je suis passée totalement à côté et que je sais pas, parce que je sais que c'est quand même une autrice qui est beaucoup appréciée et que ce roman il est plutôt aimé en général, et moi j'ai vraiment pas aimé, alors je me dis que j'ai dû passer à côté d'un truc ou je sais pas, parce que... Alors, pour l'histoire du coup, l'idée de départ, et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans le livre, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de le lire et c'est vraiment le truc que j'ai aimé, c'est qu'en fait... on est dans un univers post-apo où les hommes, à cause de tout un tas de problèmes écologiques et de surpêche et tout, les hommes ont anéanti les océans, du coup en fait les océans se sont évaporés, les océans, les mers, les lacs, les rivières, tout, toutes les zones d'eau en fait se sont évaporées, et forcément toute la faune et la flore marine sont également mortes, mais mort, pas vraiment mort. En fait du coup depuis que les océans ont disparu, il y a un phénomène qui arrive régulièrement qui sont en fait les marées hautes, enfin les marées en tout cas, qui sont en fait des marées fantômes, et pendant lesquelles, enfin quand les marées déferlent sur l'humanité, enfin sur dans des zones géographiques, bref quand la marée arrive, ça vient avec, enfin elles viennent avec les fantômes en fait, c'est des marées fantômes en fait, donc du coup t'as de l'eau fantôme, et il y a aussi les poissons, les dauphins, toutes les créatures de la mer, fantômes qui arrivent dans la marée et qui sont en fait des espèces de fantômes zombies qui arrachent et dévorent l'âme des vivants, donc des humains, et forcément les humains meurent et ils sont pas très contents. Dans cet univers il n'y a que quelques personnes assez rares qui sont capables de lutter contre les marées, on les appelle du coup des exorcistes, et en fait ils ont la capacité de tuer les fantômes et de les renvoyer de là d'où ils viennent et tout, et on va justement suivre un de ces exorcistes qui est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vit dans un bastion dont il est du coup le seigneur, enfin comme c'est l'exorciste, le mec qui protège tout le monde durant la marée, il a un statut social très élevé, il est très aimé, enfin bon bref voilà, et en fait un jour pendant une marée il va se faire enlever par des pirates qui vont l'amener avec lui, et en fait le chef des pirates est une personne assez cruelle et on sait pas trop, enfin en fait au début il y a une espèce de dilemme moral qui va s'installer entre l'exorciste qui voulait rester auprès de son bastion parce que sans lui ils vont tous clamser en fait à la prochaine marée, et le chef des pirates qui l'enlève mais qui dit que ce qu'il fait c'est pour le mieux de l'humanité.
Il y a une espèce de dilemme moral, voilà, entre les deux qui s'installe, et puis ça évolue, et leur relation à tous les deux évolue, et enfin bon bref, je veux pas vous dire. Et j'ai pas aimé, à part l'idée de départ. En fait, j'ai trouvé que l'idée de ces marées fantômes était vraiment, vraiment géniale, et que le tout début du roman, quand on a, bah voilà, la description, enfin, quand on nous introduit à cet univers et qu'il y a la première marée qui arrive, je trouve que c'est vraiment une scène qui est visuellement hyper, hyper bien et qui frappe vraiment l'imagination. Mais du coup, tout le reste après, j'ai été déçue parce que j'ai pas aimé le reste de l'histoire. En fait, j'ai aimé l'idée de départ de ces marées fantômes et de ce monde post-apo et que voilà tout ça. Mais j'ai pas aimé l'histoire des protagonistes en fait. J'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était... J'ai pas aimé en fait, je vais vraiment pas vous dire grand chose de plus parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je commence à en parler, ça devient un peu méchant, mais j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé le rythme, j'ai pas aimé... Voilà, bref, c'était vraiment pas un livre pour moi. Donc voilà du coup pour ce livre, je préfère vraiment pas en dire plus. Et ensuite, du coup oui, parce qu'en même temps que je lisais Mère Morte, du coup, je lisais aussi Chronique du Pays des Mères de Elisabeth Vornar. Mais je l'avançais pas beaucoup, donc du coup j'ai décidé de me faire une lecture un peu facile, une lecture, bah voilà, une lecture plus facile. Et j'ai donc commencé et terminé le tome 2 des Voleurs de Fumée de Sally Green, qui est de la fantasy young adulte, que j'ai commencé cet été puisque j'ai lu le tome 1 cet été. Et franchement, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et franchement le tome 2 est tout à fait dans la lignée du tome 1. Ça se lit bien, c'est réconfortant, ça va vite, il y a beaucoup d'action, beaucoup de péripéties. Les personnages sont très attachants et l'action, enfin l'intrigue est franchement cool. Et en plus là dans ce tome 2, il y a une partie de l'intrigue, l'intrigue qui concerne les démons et qui concerne un petit peu bah, la magie de cet univers, a pris un tour que j'attendais pas et que j'ai trouvé super intéressant et que j'ai beaucoup aimé. Du coup, on est dans un univers de fantasy où en fait il y a trois royaumes qui sont plus ou moins en guerre, plus ou moins en paix. Disons qu'ils ont, ils ont longtemps été en guerre et maintenant c'est une paix, mais une paix plutôt précaire. Et il y a notamment un des souverains de ces royaumes qui est réputé pour être un roi très belliqueux, très sanguinaire, très cruel. Et dans le tome 1, ce roi a décidé de vendre en fait, d'offrir sa fille en mariage à un royaume voisin pour pouvoir consolider son... Voilà, son pouvoir dans cet univers, sauf qu'en fait rien ne va se passer comme prévu. C'est du coup une saga avec des intrigues politiques, des intrigues guerrières, et c'est aussi un univers où il y a de la magie, parce qu'en fait, enfin de la magie, pas vraiment de la magie, mais un univers où il y a des démons en fait. Il y a une partie de la géographie, enfin il y a une région de cet univers qui s'appelle la plaine septentrionale, quelque chose comme ça. Où en fait il y a des démons, il y a des terriers de démons, il y a des démons qui sortent et en fait les démons sont des créatures humanoïdes mais très très fortes, très puissantes, et quand on tue un démon il exhale une espèce de fumée qui a été longtemps utilisée comme une drogue mais qui est interdite un peu partout. Et on va suivre en fait plusieurs personnages de cet univers qui vont se retrouver mêlés de très près à toutes les intrigues et toutes les embrouilles qui vont se passer, parce qu'en fait c'est un univers qui va finir par un peu exploser à cause de toutes les intrigues politiques et à cause de toutes les intrigues politiques, voilà, guerrières en fait qui couvent un petit peu dans l'univers. Avec certains événements qui vont se produire, tout va péter et ils vont se retrouver aux premières loges de tout ça. Et du coup dans le tome 1 c'était vraiment la mise en place et l'explosion de tous ces conflits, et dans le tome 2 on est plus, bah on a un petit peu le défaut du tome 2, c'est-à-dire que je l'ai bien aimé, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, mais je l'ai moins aimé que le tome 1 parce que j'ai trouvé que les péripéties et les rebondissements dans le tome 2 étaient moins spectaculaires, moins... En fait dans le tome 1 les rebondissements je les avais trouvés super... Je les avais pas vu venir et du coup je les avais trouvés super rebondissants, du coup je sais pas comment dire. Là dans le tome 2 je les ai trouvés un peu moins percutants, mais c'était quand même vraiment très bien. Les péripéties, il y a beaucoup d'action, les péripéties s'enchaînent et en fait... ce qui fait vraiment que c'est une lecture qui se lit toute seule, c'est que les chapitres sont très courts, du coup il y a un rythme très, très efficace et très pas effréné, pas endiablé, je sais pas comment dire, voilà, c'est pas une valse, mais un rythme assez dynamique, je sais pas comment dire, parce que du coup les chapitres sont très courts et à chaque chapitre on change de point de vue de personnage, donc c'est sympa parce que voilà, on avance, on est tout le temps dans le mouvement et c'est ce qui fait que ça se lit très bien. En plus les personnages sont vraiment très attachants. Il y en a un ou deux que t'aurais bien envie de secouer quand même de temps en temps, notamment la princesse,
voilà, bien envie de la secouer, mais c'est quand même très sympa. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé dans le tome 2, c'est qu'on approfondit l'aspect démon de l'univers, on approfondit l'univers des démons, et ça pose, enfin, on a quelques réponses, on a quelques éléments supplémentaires, mais ça pose aussi plein de questions sur... mais en fait, on a plein de nouvelles questions qui apparaissent, et j'ai trouvé que c'était très très chouette et que ça donnait vraiment envie de lire la suite, parce qu'on a un de nos personnages qui va se retrouver vraiment très proche de tout l'univers des démons, et c'est un personnage que j'aime beaucoup en plus, donc du coup, j'ai très envie de... Bah voilà, de savoir ce qui va lui arriver, ce qui va se passer. J'ai bien aimé aussi dans ce tome-là le fait qu'on insiste un petit peu sur le côté féministe du roman, parce que c'était un peu présent dans le tome 1, mais là dans le tome 2 c'est vraiment explicité, et j'ai beaucoup aimé ce message-là que j'ai trouvé très chouette. Pourquoi les femmes elles pourraient pas faire ça aussi bien que les hommes, et pourquoi? Parce que c'est une femme qui le dit ou qui le fait, d'un seul coup ça a plus de valeur alors que ça avait été un mec. Ça serait passé comme une lettre à la poste, et j'ai trouvé que c'était très sympa, surtout pour le public visé, parce que j'ai dit que c'est young adulte, mais je trouve que c'est young adulte plus jeunesse que... Enfin, vous savez, il y a young adulte un peu plus adulte et le young adulte un peu plus jeunesse. Là, je trouve qu'on est un peu plus jeunesse, un petit peu plus adulte, enfin, un petit peu plus. Enfin, je sais pas. En termes de public, je dirais que c'est peut-être pour un public un petit peu plus âgé que La Ville sans vent, mais pas de grand-chose. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est à destination d'un public plus jeune, par exemple, que Les Faucons de Ravera ou quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà, bon, après, je pense que ça se lit à tout âge, hein. Mais voilà, en termes de... Je pense que le message féministe et les intrigues et tout sont forcément mises au niveau du public visé. Et c'est un public plutôt jeunesse, je pense. Donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment. Et j'ai très hâte du coup d'avoir le tome 3 pour avoir le fin mot de toute cette histoire. Donc voilà, alors maintenant pour en revenir à mes lectures en cours. Lecture en cours que je n'avance pas, hein, parce que franchement, du coup, Chronique du pays des mères de Elisabeth von Arberg, je suis à la page 250 et ça fait quoi, 10 jours que je suis dessus, je l'avance pas. Alors j'aime beaucoup pourtant, franchement, j'aime vraiment énormément. Je vous en parlerai mieux du coup quand je l'aurai terminé, parce que là ça sert pas à grand chose, mais du coup, en fait, quand je suis dedans, je suis trop bien, mais j'ai du mal à le reprendre parce que voilà, comme je le disais, c'est pas une lecture que tu fais à tout moment de la journée quand t'es un peu fatiguée. T'as pas trop envie, donc voilà, je l'avance pas beaucoup malheureusement, mais ça me plaît beaucoup pour l'instant. Et j'ai commencé La Volonté du Dragon de Lionel Davoust, qui est un tout petit récit qui fait 170 pages, et j'en suis à la page 60, sachant que ça fait 2 jours que je l'ai commencé et je ne l'avance pas. Je suis pas hyper fan pour l'instant, mais je pense que le fait que je suis pas très fan, enfin pour l'instant je suis pas captivée, je suis pas, pour l'instant un peu bof, mais c'est qu'en fait je pense que le fait que je lise 20 pages puis que je m'endorme, puis que je relise 20 pages puis que je m'endorme, ça aide pas franchement à s'investir dans l'univers et dans l'histoire. Donc voilà, j'aimerais bien me poser aujourd'hui pour vraiment terminer ça et le lire d'une traite, parce qu'en fait c'est tellement court que c'est dommage de le découper en plein de petits morceaux de 20 minutes, c'est un peu dommage. Donc voilà, je voudrais avancer ça aujourd'hui, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Voilà, du coup ça va être tout pour aujourd'hui. Peut-être que je vous reprendrai tout à l'heure si par miracle je réussis à avancer dans mes lectures. Et puis voilà, du coup je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est toujours mercredi, on est mercredi fin de journée parce qu'il doit être 18h et quelques. Je suis mes lessivées de la journée, pourtant je me suis pas levée tôt, je me suis pas levée très tôt et j'ai rien fait de très physique franchement aujourd'hui, mais je suis claquée, je suis super fatiguée, j'ai mal à la tête et tout. Donc ça risque d'être encore une journée où je vais pas lire parce que j'ai pas du tout avancé dans mes lectures aujourd'hui, et vu mon mal de tête je sais pas si je pourrais trop avancer tout à l'heure. Mais voilà, bref, je vous reprenais du coup pour vous montrer en fait le livre que je viens de recevoir de la part des éditions Albin Michel. C'était dans la boîte aux lettres tout à l'heure. J'ai reçu du coup le tome 2 de la trilogie Les Maîtres en Lumineur de Robert Jackson Bennett, le tome 2 qui s'appelle donc Le Retour du Hiérophante. L'ouverture est vraiment trop trop jolie, trop trop beau. Et j'ai trop trop hâte de lire, j'ai vraiment trop trop hâte de lire. Alors là ça se voit pas parce que je suis fatiguée, mais je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. Je suis trop contente, je l'attendais un petit peu, même si bon, en fait comme pour Un Souvenir Nommé en Pierre, j'ai très très envie de les lire, mais comme c'est le Cocorico Challenge, je sais pas, je me dis que ce serait quand même bien, genre c'est quand même le challenge, que c'est quand même mon challenge. Ce serait bien du coup que je lise plus de littérature francophone. Et du coup ça c'est dans mon Pumpkin Autumn Challenge, et je pense que ce sera une de mes toutes prochaines lectures dès que je ferai une petite pause dans la littérature francophone. Bref, du coup sur ce je vous laisse, et puis j'espère que je vous reprends demain avec une lecture terminée, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Thank you.
Rebonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi et je voulais vous parler un petit peu de mes lectures parce que j'ai terminé un livre, j'ai abandonné un livre et j'en ai commencé un nouveau donc je voulais vous montrer tout ça. Alors déjà je vais commencer par le livre que j'ai abandonné. Malheureusement du coup j'ai terminé, enfin j'ai pas terminé pardon, j'ai abandonné La volonté du dragon de Lionel Davoust paru là du coup, enfin aux éditions Critique. Je l'ai abandonné à la page 100, enfin pardon, à la page 90 et en fait c'était que de la bataille, c'était vraiment que de la bataille et moi les scènes de bataille je suis vraiment pas fan, c'est le genre de scène que j'ai tendance à lire en diagonale ou oui voilà, à lire en diagonale parce que ça m'intéresse pas beaucoup et là comme c'est que ça, au début je me suis dit que, enfin en fait au début j'ai vu qu'on allait être sur ce registre bataille avec voilà bah des batailles quoi, enfin comment dire. On a en fait la flotte maritime de l'empire d'Asretia qui est en train d'avancer vers un autre pays, l'empire, j'ai oublié mais un empire plus petit, plus modeste en fait. Le bail c'est que l'empire d'Asretia ils sont très très puissants parce qu'ils ont réussi à développer beaucoup d'une technologie très avancée par rapport aux autres pays puisqu'ils ont réussi en fait à convertir des pierres dracaniques en une espèce de vapeur, en fait c'est un petit peu l'équivalent du, je dirais du moteur à vapeur et ça leur a permis de développer toute une technologie, ce qui fait que eux ils ont des flottes de bateaux en acier avec des canons, avec voilà cette technologie. Mon téléphone qui sonne, j'aurais peut-être aller voir parce que Guillaume est à la banque, alors ça se trouve il a besoin d'un truc. Nickel, c'est mon mot de passe provisoire pour mon espace bancaire en ligne parce que j'ai perdu mes mots de passe, je fais toujours ça, à chaque fois je perds mes mots de passe je suis obligée de faire toutes les, tous les trucs de récupération de mots de passe, sauf qu'évidemment comme je perds aussi les mots de passe de mes adresses mail, c'est très long. Mais bref, oui, du coup, l'Empire d'Asretia, ils ont du coup une flotte très très évoluée au niveau technologique, et les gens qu'il y a en face, qui sont en train de venir envahir, parce qu'en fait c'est un empire, leur idée c'est que comme eux ils ont la technologie, qu'ils ont... la sagesse, qu'ils ont la science, qu'ils ont l'éducation et tout, ils vont empire... enfin ils vont empiriser... Ils vont coloniser d'autres endroits, d'autres empires, soi-disant, pour leur amener un meilleur niveau de vie, une meilleure vie et tout. Mais bon, enfin, la colonisation, c'est de l'impérialisme. Et globalement, c'est juste une soif de conquête. Mais bref. Et les gens en face, en apparence, ils sont, c'est un peuple plutôt tranquille, plutôt calme, qui est adepte de la religion du lac, qui est une religion assez particulière, qui dit que chaque chose a sa place dans l'univers et que le but de chaque personne, c'est de trouver cette place dans l'univers et tout. Et ils n'ont pas une technologie très évoluée. Du coup, a priori, la bataille devrait être vite gagnée pour l'Empire, puisque bah, en face, ils ont des bateaux en bois avec des flèches, quoi, alors qu'eux, ils ont des canons. Sauf que tout ne va pas être si simple, puisque finalement, il va y avoir des surprises. Et en fait, au début du roman, je me suis dit qu'il allait forcément avoir quelque chose d'autre et que ça allait pas juste être voilà, cette scène de bataille, enfin de conquête et tout. Et en fait, bah, à l'arrivée à la page 100, c'était encore voilà, de la bataille. Ça m'intéressait pas du tout en fait. Ce que je disais m'intéressait vraiment, vraiment pas du tout, même si je trouve... en fait, je suis curieuse de le terminer parce que j'ai envie d'en savoir plus déjà à la fin, qui gagne, qu'est-ce qui se passe et tout. Et j'ai envie d'en savoir plus sur cette religion, sur ce, voilà, ce pays un petit peu particulier que l'Empire veut envahir. J'ai envie d'en savoir plus sur cette technologie. Mais le contenu même du livre, tout le côté bataille, en fait, ça m'intéresse. Vraiment pas, et arrivé à la page 90, j'en avais trop marre. Et ensuite, du coup, je me suis fait le tome 3 du manga Blue Period de Tsubasa Yamaguchi, qui est vraiment un manga que j'aime vraiment énormément. C'est Cornelius qui m'avait envoyé le tome 1 en cadeau en cadeau parce que j'avais gagné du coup le Cornet Quiz. Et franchement, je suis trop contente qu'il m'ait envoyé ça parce que j'aime énormément ce manga dans lequel on va suivre. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, j'ai adoré le tome 3. C'est peut-être un peu répétitif le contenu parce que bah voilà, en fait on va suivre un lycéen qui a une vie plutôt tranquille, plutôt posée, qui est bon élève. Il n'a pas de problème particulier sauf que en fait il n'a pas de passion dans la vie, il a rien qui l'anime vraiment, il fait un peu les choses mécaniquement, il fait les choses bien, il travaille à l'école, il fait ses bails et tout, mais il n'a pas de passion jusqu'au jour où il va découvrir en cours d'art plastique qu'il aime dessiner en fait, qu'il aime vraiment beaucoup dessiner et que, en fait il réalise qu'à travers le dessin il arrive à s'exprimer, à exprimer des choses importantes pour lui et donc il va se prendre de passion pour l'art et il va s'y mettre à fond, il va... Voilà, il va se mettre à fond dans le dessin comme c'est quelqu'un de très travailleur, il va travailler, 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 dessiner, dessiner, dessiner. Et cette passion va prendre tellement d'ampleur dans sa vie qu'il va décider de...
de postuler à l'Académie des Arts de Tokyo, qui est une université très prestigieuse, pardon, mais où les places sont aussi très chères, parce que, qui est gratuite d'ailleurs, pardon, c'est un élément important. Il veut postuler là parce que c'est une des seules facs gratuites, en tout cas pas très chères. Mais comme il n'est pas le seul à vouloir postuler, c'est très difficile d'y rentrer. Donc il va prendre des cours de prépa, il va faire... C'est intéressant aussi. En fait, j'adore tout le côté artistique, toute cette réflexion sur l'art, sur la passion, sur les choses qui sont importantes pour nous et tout. Et j'aime aussi le fait que ça nous montre à quel point le système d'éducation japonais est très différent du nôtre. En fin de compte, le personnage est très attachant, il est très agréable à suivre, et en plus il rencontre plein d'autres personnages, tout plein d'artistes comme lui qui ont les mêmes projets que lui, et je trouve ça très chouette de voir toutes ces personnalités un petit peu différentes, toutes ces personnalités différentes et très attachantes, graviter dans ce milieu de l'art et de l'art et tout, et je trouve ça vraiment trop chouette, vraiment j'aime trop ce manga, et vraiment je vous le recommande très fort parce qu'il est très chouette. Moi je pense que je vais aller me chercher le tome suivant un de ces jours en passant en librairie. J'ai pas avancé dans Chronique du Pays des Mers, vraiment je n'avance pas du tout, je suis à la page 250 et j'aimerais bien lire une cinquantaine de pages aujourd'hui pour atteindre la page 300, parce que ça correspond au début de la partie, enfin à la fin ou au début de la partie 3, je sais plus. Donc voilà, ce serait cool d'aller jusque là, et peut-être que je ferai une pause dans Chronique du Pays des Mers, parce que même si j'aime beaucoup ma lecture, quand je suis dedans je trouve ça vraiment trop bien. C'est quand même une lecture qui me ralentit énormément sur mon Cocorico Challenge. Et en fait j'ai un petit peu de mal à avoir deux lectures exigeantes en même temps, et là le problème c'est que ensuite dans ma pile à lire du Cocorico il va rester quasiment que des lectures un petit peu compliquées, denses comme ça, pas des lectures légères et faciles, vous voyez. Donc je pense que je vais mettre ça en pause et que je vais peut-être ensuite lire le tome 2 de Manèche, donc voilà, peut-être je vais faire ça. Et ensuite j'ai commencé une nouvelle lecture que j'ai presque finie parce que je l'ai dévorée hier soir, j'ai commencé du coup Calam de Paul Bérand, trop bien. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit super bien parce que les avis sont dithyrambiques, toutes les personnes qui en parlent ont vraiment adoré. Et moi j'étais pas hyper chaude à la base pour ce roman parce que je trouve que le résumé fait pas hyper envie. On nous parle d'une guerre civile avec une rébellion contre le roi Lumière et qu'en fait le chef de la rébellion a été tué et qu'en fait sa lieutenante, en fait son bras droit, a été emprisonné, que quelqu'un va venir l'interroger, qu'elle va raconter toute l'histoire. Sauf que ce qu'on dit pas dans le résumé, et franchement j'aurais su ça dès le début, je pense que je l'aurais acheté direct à sa sortie, c'est qu'en fait le personnage principal qu'on va suivre, la lieutenante du coup du chef de la rébellion, c'est une sorcière. Et du coup... j'adore en fait dès qu'on parle de sorcière, je trouve que vraiment le personnage de la sorcière c'est sûrement mon personnage préféré de toute la fantasy, le fantastique et tout, j'aime trop ça. Et je trouve ça dommage qu'en fait je trouve que finalement le résumé il nous parle pas tellement de... Je sais pas, j'ai l'impression que le résumé il nous donne pas les meilleurs éléments de l'intrigue et du roman, c'est un petit peu dommage. On est dans un univers de fantasy. Et pendant des générations et des générations, à la tête du royaume, c'était des reines qui s'appelaient des Gotaran parce que elles sont touchées par le pouvoir d'un dieu, un dieu à deux visages, enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails de l'univers. Et en fait, elles ont été renversées, enfin la dernière reine, la princesse, a été renversée par du coup le roi Lumière qui a réussi à la vaincre et est devenu roi, mais qui est devenu un roi tyrannique. Et en fait, il y a un homme qui s'appelle Darandal qui a lancé une rébellion contre le roi Lumière. Qu'est-ce qu'il y a, fidèle ? Ah pardon, il miaule dans son sommeil. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il a du coup lancé une rébellion contre le roi Lumière, sauf que la rébellion a échoué, il est mort, il y a plein de gens qui sont morts, et du coup sa lieutenante, du coup son bras droit comme je vous l'ai dit, se retrouve en prison, et en fait là en prison elle va contracter une espèce de pacte avec un conteur. Un conteur très célèbre qui ne peut dire et écrire que la vérité, et il va lui proposer en fait de suspendre son exécution le temps qu'elle fasse le récit de la vie de Darandal, parce que voilà, il y a... les gens veulent savoir qui était Darandal, qu'est-ce qu'il a fait, comment il en est venu, enfin... est-ce que la légende est vraie, comment il en est venu là, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, comme elle le connaissait très bien, il va raconter son histoire et en fait... on va avoir du coup des moments dans le présent où elle est en prison et elle essaie elle essaie de survivre. Et on a aussi tous les passages de récit où elle va raconter la vie de Darandal et en même temps elle va raconter sa vie. En fait on va voir le récit de la vie de ces deux personnes, de ce chef de rébellion et de sa vie à elle, de petite fille qui s'est découverte sorcière et qui s'est retrouvée mêlée à cette rébellion, qui a rencontré cet homme, etc. Et il y a plein de choses et je peux pas vous dire parce qu'il y a des révélations, il y a des trucs trop cool et tout.
auquel je m'attendais pas, donc je vais pas rentrer trop dans le détail, et c'est vraiment trop bien. Du coup là il me reste pas grand chose pour le terminer, je vais le terminer tout à l'heure, et c'est vraiment une très très bonne lecture. Je vous en reparlerai un petit peu mieux quand je l'aurai fini, pour vous dire bah voilà mon avis final, mais je pense que je vais adorer. Voilà du coup pour mes lectures, là je vais, je sais pas il est quelle heure, je crois qu'il est tard en plus, putain il est 14h30, j'ai super faim, je vais aller faire à manger et ensuite je vais reprendre la couture, parce qu'en ce moment je passe beaucoup beaucoup de temps devant la machine à coudre pour faire un maximum de choses pour l'ouverture de la boutique. Donc voilà, bref, ah non, je voulais faire un gâteau aussi, quand est-ce que je fais mon gâteau? Ouais non, parce que le gâteau c'est trop important, on sacrifie pas un gâteau dans son emploi du temps. Bref, dans tous les cas, je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, alors du coup on est dimanche 17-18 septembre, quelque chose comme ça. Il fait un temps pourri aujourd'hui, c'est vraiment mes dimanches préférés, c'est les dimanches pluvieux. Donc je me suis prévu un petit programme à base de lecture intensive et de faire des cookies je pense. Alors j'ai déjà fait des cookies hier, mais on en a déjà mangé une bonne partie, donc je pense que je vais en refaire aujourd'hui. Enfin bref, vous en fichez, mais... Enfin bref, du coup tout ça pour dire que j'aimerais bien profiter de mon dimanche pour avancer vraiment dans mes lectures. J'aimerais bien terminer Chronique du Pays des Mères de Elisabeth Vornarberg. Du coup c'est peut-être un peu ambitieux parce qu'il me reste quand même 400 pages. Alors je l'ai bien avancé hier parce que j'ai lu 200 pages et vraiment... j'aime énormément cette lecture, j'adore, je trouve ça génial. C'est hyper particulier comme rythme, mais voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé, il n'y a pas d'action, donc c'est pas une lecture qu'on fait à tout moment de la journée, mais vraiment j'aime énormément. Je pense que ça va être un gros coup de cœur parce que j'adore, je trouve ça génial. Donc voilà, il me reste 400 pages, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, mais je pense pas que j'aurai le temps, parce que j'aimerais bien aussi me mater des séries. J'ai envie de me poser dans le canapé devant Netflix et regarder des trucs. J'ai terminé Sex Education la saison 3 que j'ai maté hier en fait. Franchement hier je me suis dit bon allez c'est le week-end, et je me suis maté quasiment tout Sex Education. J'ai terminé ce matin au petit-déj, et franchement la saison 3 était vraiment trop cool. J'ai préféré la saison 3 à la saison 2, je l'ai trouvée hyper touchante et drôle, et je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Et mais vraiment la déco dans cette série, non mais leurs maisons elles sont incroyables, j'ai envie de vivre dans leur maison, j'ai envie de vivre dans la maison de Otis parce que sa maison est tellement belle, les tapisseries dans cette série vraiment. Et sinon dans les lectures que j'ai terminé Calame de Paul Behrens, enfin j'ai terminé le premier tome de la duologie Calame, et c'était vraiment trop trop bien, j'ai adoré. Je comprends vraiment pourquoi les gens ont été aussi enthousiastes pour cette lecture, parce que c'est super bien l'univers, en fait le système, comment dire, attendez, je sais pas par quoi commencer. Alors je crois que je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà fait le résumé, du coup je vais pouvoir passer directement à mon avis. Adoré l'histoire, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai beaucoup aimé aussi la construction avec l'alternance, enfin... avec du coup l'alternance entre le présent et les moments où elle raconte l'histoire, donc du coup dans le passé. Et j'étais assez surprise parce que en fait le danger dans ce genre de construction où en fait comme au début on rencontre notre personnage principal, elle a été emprisonnée parce que la rébellion a échoué, et c'est elle qui va raconter l'histoire, enfin raconter son histoire et raconter l'histoire de la rébellion, comment ils en sont arrivés là, comment la rébellion a commencé, comment le chef de guerre a commencé ses bails et tout. Bah le danger c'est qu'en fait le suspense se soit désamorcé, parce que dès le début on sait la fin, en fait on sait qu'à la fin la rébellion capote, et du coup le problème c'est que bah le fait de connaître la fin ça peut un peu anéantir toute la tension dramatique du roman. Mais là ça n'a pas été le cas, parce que j'ai trouvé, même si au début on sait déjà qu'elle va finir emprisonnée et que leur chef de guerre meurt, je trouve que le roman est super intelligent dans le sens où on découvre tout au fur et à mesure en fait. Dans son récit, on va tout découvrir, on va découvrir vraiment la naissance de cette rébellion, comment ça s'est formé, avec quel personnage, les péripéties qu'ils ont dû, enfin les obstacles qu'ils ont dû affronter. Et je trouve que même si on sait déjà la fin, le récit vraiment réussit à nous aménager des moments de suspense où on se demande ce qui va se passer, comment ça va arriver. Et ce qui est même encore mieux, c'est que on a tous ces questionnements de comment on est passé de ce point-là à ce point-là. Parce qu'en fait, pendant toute une partie du récit, on va se demander vraiment mais comment c'est possible que cette rébellion a commencé, enfin, ait commencé alors qu'il n'y avait vraiment pas du tout les ingrédients pour la commencer, il n'y avait pas les personnages, il n'y avait pas le chef de guerre et tout. Donc ce qui est super intéressant, c'est que ça...
En fait, même si on connaît déjà la fin, le récit met en place plein plein d'interrogations sur comment ça va se dérouler, comment ça va commencer et comment en fait. Parce que vraiment, on se pose plein de questions au début et j'ai trouvé que c'était super intelligent parce que du coup, on s'ennuyait pas du tout. On était tout le temps dans l'attente de d'avoir des réponses en fait, de savoir ce qui s'était passé. Il y a notamment des personnages qui rentrent un moment dans le récit plutôt vers la fin et qui sont qui relance un petit peu le truc. Il y a des révélations sur les personnages principaux que vraiment j'avais pas vu venir et qui voilà sont super bien amenés, sont super. Enfin c'était vraiment bien. Je peux pas vous dire parce que du coup c'est des révélations donc ça vous spoilerait tout. Mais c'était vraiment trop cool. J'ai adoré les personnages principaux. Du coup on a je dirais deux trois personnages principaux. On a la personne qui nous raconte l'histoire. Du coup cette jeune femme qui est sorcière. Et on a l'histoire de ce chef de guerre, le chef de la rébellion. Et on a aussi le personnage du conteur qui est la personne qui, bah voilà, qui recueille un petit peu les témoignages de tout le monde. Et c'est des personnages que j'ai trouvé super intéressants, super, super bien construits. En fait, c'est facile de s'attacher à eux parce qu'il y a une vraie. Ils ont une histoire en fait, ils ont une vraie histoire. J'ai particulièrement aimé du coup le personnage féminin qui est du coup un petit peu l'héroïne du roman et que j'ai trouvé super touchante et super. Super, comment dire, et super humaine en fait. Je trouve qu'elle a des réactions qui sont mais tellement, tellement justes et tellement crédibles. On se dit bah forcément, en fait, avec l'histoire qu'elle a eue, avec son caractère, c'était obligé qu'elle réagisse comme ça. Et j'ai trouvé que voilà, c'est un personnage qui est super agréable à suivre parce qu'on s'y attache énormément. J'ai beaucoup aimé, mais je regrette un petit peu. En fait, j'ai trouvé que l'univers et tout ce qui concernait la magie était trop trop cool, super intéressant parce qu'en fait, au niveau en ce qui concerne la magie est liée à la religion et elle est aussi liée au pouvoir politique parce qu'elle est liée aux familles royales. Mais pas que, et il y a plein d'autres choses qui se mettent en place et plus on avance dans l'histoire, plus on découvre des choses sur cette magie, plus on découvre en fait que. C'est pas exactement ce que ça a l'air d'être et tout le système de magie autour du Kalam est passionnant, hyper intéressant et vraiment le système de magie fait partie intégrante de l'histoire, c'est pas juste quelque chose en plus pour accentuer le côté fantasy de l'univers. Vraiment le système de magie a son importance dans l'histoire parce que ça va permettre en fait, il va être lié à certains rebondissements et certaines révélations de l'intrigue. Et c'est vraiment l'idée de ce système de magie. Je veux vraiment pas vous dire ce que c'est pareil, c'est un élément assez important de l'histoire. C'est hyper intelligent. J'ai trouvé que c'était une trop bonne idée. Et en plus, c'est une trop bonne idée parce que ça crée une espèce d'impasse en fait pour les personnages. Vraiment, ça les met dans la sauce parce que bah c'est pas quelque chose qu'on peut. Enfin voilà, bref, c'était trop trop cool le système de magie, mais je regrette un petit peu le fait qu'on parle beaucoup de magie, mais finalement il n'y en a pas tant que ça dans le roman. C'est-à-dire qu'on sait que notre personnage est une sorcière, on sait que les personnages, il y en a qui font de la magie et tout, mais finalement on parle beaucoup de magie, mais je trouve qu'il n'y a pas de beaucoup de magie en action dans ce tome-là. Enfin, peut-être il y en a un peu, mais il n'y en a pas tant que ça, et j'aurais aimé plus de sorts, plus de trucs et tout, mais c'était quand même. Très très cool, à la fin il y a à nouveau des chamboulements, plein de trucs qui se passent. C'était cool parce que c'était un petit peu attendu en fait, on se doute un petit peu que sur ce genre de roman où on commence avec une situation où on sait déjà la fin, on se doute qu'en fait tout le but du roman ça va être de nous amener à l'idée que ah bah en fait la fin, mais c'est pas vraiment la fin, finalement il va se passer d'autres trucs. Mais voilà, c'était super bien amené et j'ai vraiment très très hâte de lire la suite, de lire le tome 2, j'ai vraiment trop trop envie de le lire. Malheureusement du coup il est sorti qu'en grand format donc je pense que je vais attendre qu'il sorte en poche, mais vraiment c'était une super bonne lecture, une super découverte. Vraiment lisez-le si vous l'avez pas lu, vraiment lisez-le parce que c'est vraiment de la très bonne fantaisie. Donc voilà du coup pour cette lecture qui a été une très très bonne lecture. Je crois que c'est une de mes lectures préférées du Cocorico Challenge pour l'instant. Je crois que c'est le livre que j'ai préféré. Alors je crois que je vais préférer à la fin Chronique du Pays des Mers, mais vraiment Kalam c'était vraiment trop cool. Et du coup je vous parlerai de Chronique du Pays des Mers quand je l'aurai terminé parce que là j'en suis qu'à la moitié. Donc ça se trouve il va se passer plein de trucs dans la seconde moitié auxquels je m'attends pas du tout. Je pense pas, je pense qu'on va rester sur ce rythme là tout le long du roman, mais je pense qu'on va aussi approfondir certains aspects. Même si on n'a pas d'action, on a quand même une intrigue qui se met en place et que je trouve super intéressante. Donc j'ai hâte de continuer ça et d'approfondir ça, d'en savoir plus sur cet univers que je trouve vraiment fascinant. Et là je suis en train de le lire et j'ai déjà envie de lire en fait le tome qui se situe avant, parce que du coup l'autrice a écrit un autre roman qui se situe dans le même univers mais qui se situe avant et qui explique la fondation en fait de la société du pays des mers, et ça a l'air d'être passionnant parce que je pense que dans l'autre tome du coup on sera peut-être plus dans quelque chose de post-apo parce que c'est lié au déclin, à la fin de notre société à nous et tout, donc ça a l'air d'être super intéressant. J'ai très très envie de le lire aussi, en fait j'ai envie de terminer celui-ci et d'enchaîner directement sur l'autre, mais je l'ai pas donc du coup je vais pas le faire.
Donc voilà du coup où j'en suis dans mes lectures et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille avancer ça. Et il faut aussi, oui d'ailleurs ça me fait penser, il faut aussi que je commence à regarder sur internet pour changer de caméra et ça me fait penser que je sais que le son est pas terrible du tout dans cette vidéo. En fait ma caméra est cassée et du coup parfois elle fait du bruit et ça s'entend dans la vidéo parce que du coup, bah en fait il y a, je sais pas, vous avez déjà dû l'entendre plus tôt, il y a cette espèce de bruit de mécanisme en fait et en fait c'est juste à l'intérieur de la caméra. Du coup je peux pas faire grand chose pour enlever le bruit. Voilà, je sais que la caméra est vraiment en fin de vie et qu'elle tient. En fait, j'espérais vraiment qu'elle tienne jusqu'à Noël, mais là, clairement, ça va pas être possible, donc va falloir que j'en trouve une autre. Sachant que j'ai pas un budget énorme pour cette nouvelle caméra. Donc voilà, bah du coup sur ce je vous laisse ici et je vous reprendrai demain quand j'aurai terminé ça. Et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est mercredi, on se retrouve aujourd'hui du coup parce que j'ai terminé ma dernière lecture du Cocorico Challenge. J'ai terminé du coup Chronique du Pays des Mers de Elisabeth Vornarberg. J'ai terminé hier soir et il m'aura fallu du coup une bonne vingtaine de jours pour le terminer parce que j'ai vraiment été... un peu au ralenti sur cette lecture. En fait c'est une lecture que j'ai vraiment adorée. Je vais pas trop vous en parler aujourd'hui parce que je pense que... En fait j'aimerais bien faire une vidéo entièrement consacrée à ce livre en fait. Je pense que ce sera pas une vidéo très très longue mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire et j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est un livre qui m'a... que j'ai adoré en fait. Déjà je peux commencer par là, c'est que ça a été vraiment un gros coup de cœur. En fait assez étonnamment parce que les sujets traités sont pas forcément des sujets très faciles, pour moi ça a été plutôt une lecture doudou en fait, une lecture dans laquelle j'étais super apaisée en fait quand je le lisais, c'était vraiment très agréable, j'ai trouvé que c'était super intéressant, j'ai trouvé ça génial en fait, je trouve que c'est vraiment un super livre, bref j'ai eu un gros coup de cœur dessus, j'ai beaucoup de choses à dire et donc je me dis que l'idéal ce serait de faire une vidéo dédiée parce que ça me permettra un petit peu de poser mes idées et de réfléchir un peu vraiment à ce que je veux vous dire. Donc voilà, en tout cas je l'ai lu, je suis trop contente de l'avoir lu et de l'avoir terminé parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à le lire. Comme je vous l'ai dit du coup je pense que ça va être ma dernière lecture du Cocorico Challenge parce que là j'en suis à un moment du mois où j'en ai un petit peu marre d'être en mode challenge et j'ai envie de suivre plutôt mes envies de lecture et pas de me consacrer, enfin j'adore la littérature francophone et j'ai encore plein de trucs dans ma pile à lire qui me font super envie et qui sont francophones mais j'ai envie un petit peu plus de suivre mes avis, enfin mes envies plus spontanées. Pour le moment du coup je vais un peu laisser le Cocorico Challenge de côté. Je pense que je le continuerai un petit peu encore en octobre parce que j'ai mis de côté dans ma pile à lire des livres qui sont du coup d'auteurs français et qui je pense seront parfaits pour Halloween. Donc je pense voilà que je le reprendrai un petit peu cet automne et puis voilà de toute façon je pense que je vais essayer de... ce que j'ai voulu un petit peu initier avec le challenge c'était de m'intéresser plus moi et puis vous aussi hein, de votre côté, qu'on s'intéresse plus de manière générale aux auteurs français parce que c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup aller vers les valeurs sûres anglophones et bref voilà. Du coup je pense que en soi le Cocorico Challenge pour moi je crois que je vais l'arrêter ici mais je vais continuer à lire des auteurs francophones donc voilà bon bref tout ça pour dire que je pense que c'est mon dernier roman du Cocorico Challenge de ce mois-ci parce que là j'ai plutôt envie de... Attendez ça me gratte le nez. De lire du coup le deuxième tome des Maîtres en Lumineur et j'ai très envie de lire Les Derniers Feux du Soleil de Guy Gabriel Kay qui sont vraiment des lectures qui me font trop trop envie depuis que je les ai reçues et voilà j'attendais d'avoir un petit peu avancé dans le Cocorico pour m'y mettre. Hier du coup j'ai commencé un nouveau roman et j'ai commencé le deuxième tome de Texacalane, j'ai commencé Une Désolation Nommée Paix de Arcadie Martine qui est du coup le deuxième tome, le dernier tome de la duologie. Le premier tome c'était Un Souvenir Nommé Empire et j'avais vraiment adoré, je l'avais lu en lecture commune pour le challenge prix Hugo parce que c'est le premier tome du coup à gagner le prix Hugo en 2020, voilà c'est ça. Et voilà j'ai commencé le tome 2 parce que j'avais trop trop hâte de me replonger dedans. Alors il est plus épais que... Oula. Ah oui alors par contre les mises au point et tout ça va être un peu compliqué parce que là je filme pour la première fois avec ma nouvelle caméra et là je vois que le focus est fait sur ma tronche mais je sais pas du coup trop ce que ça donne derrière et honnêtement j'ai regardé un petit peu les réglages, la notice et tout et je comprends rien, vraiment je capte que dalle à tout ça, va falloir que je me penche davantage sur la question mais en attendant on va faire comme ça avec le focus sur ma tête, au moins comme ça vous me voyez c'est peut-être pas plus mal mais du coup quand je mets le livre tout à l'heure c'était un peu flou, bon bref qu'est-ce que je disais quoi putain je me suis perdue.
Oui, du coup je disais que j'ai commencé ça parce que j'avais vraiment trop hâte de me remettre dedans et que c'est un gros pavé parce que là voilà, quand on regarde il est vraiment énorme, il est plus gros que le précédent, il fait un tout petit peu moins de 600 pages donc voilà, je pense que j'en ai pour un petit moment de lecture. J'ai commencé hier, j'ai lu 50 pages et pour l'instant c'est vraiment très cool mais en même temps, en même temps, j'ai hâte qu'on retrouve nos deux personnages principaux parce que là on les a pas beaucoup vus, il y en a une qu'on n'a pas vue encore. Et ce que j'avais adoré dans le premier tome, c'était leur relation en fait. Enfin, il y avait plein de choses que j'avais adorées. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, si ce livre vous intéresse. La chronique que j'avais faite du tome 1 parce que ça avait vraiment été un coup de cœur et c'est un peu difficile de parler de ce livre parce qu'il est. Enfin, c'est pas un peu difficile, comment dire, mais. Il a une ambiance assez particulière et il est assez déroutant parce que tout passe par le langage en fait. Enfin, il y a de l'action, il y a des péripéties, mais surtout toute l'intrigue va se concentrer dans les dialogues des personnages, ce qu'ils vont se dire, les informations qui vont s'échanger et tout. Donc c'était assez particulier. Je pense qu'en effet, ça a pas plu à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas trop aimé, qui ont trouvé que c'était un peu mou. Mais moi, j'ai adoré et j'ai vraiment adoré la relation entre notre personnage principal et l'autre personnage principal, puisqu'en fait, dans le tome 1, on va suivre Maït, qui est du coup l'ambassadrice de la station Lizelle, qui est une station en orbite et qui va dans l'Empire, enfin à la capitale de l'Empire Texacalan en tant qu'ambassadrice, parce que le précédent ambassadeur a disparu. En fait, on va découvrir très tôt dans le récit qu'il est mort. Et en fait, elle, son intérêt, enfin l'intérêt de la station Lizelle et la raison pour laquelle ils envoient toujours un ambassadeur ou une ambassadrice à la capitale, c'est qu'ils ne veulent surtout pas se faire annexer par l'Empire. L'Empire Texacalan, qui est un immense empire, un immense empire dans l'espace, et qui a un petit peu la mauvaise habitude d'aller grignoter des nouvelles colonies, des nouvelles terres, des nouvelles stations. Et bah voilà, qui a un petit peu une soif de conquête assez importante, et la station Lizelle veut rester indépendante. Elle veut pas venir sous le joug de l'Empire, et donc elle arrive à la capitale avec l'objectif de faire en sorte que sa station reste indépendante. Sauf que le précédent ambassadeur est mort et qu'elle va devoir découvrir pourquoi et que elle a plein de problèmes, la pauvre, parce qu'elle arrive au milieu d'un nid de vipères un petit peu, de tensions politiques, de personnes, tu sais pas trop ce qu'elles veulent, tu sais pas trop quels sont les objectifs qu'elles suivent et tout. Et c'était génial, et elle va être aidée à l'intérieur de la capitale. En fait, quand elle va arriver à la capitale de Texacalan, on va lui assigner une chargée de mission qui s'appelle Posidonie, enfin qui s'appelle 3 Posidonie, et qui, parce qu'en fait, à Texacalan, ils ont tous, et c'est un détail que j'avais adoré aussi, et que j'aime aussi dans le tome 2, ils ont tous des prénoms composés d'un chiffre et ensuite d'un nom commun, donc 3 Posidonie, 19 Herminette, 8 Antidote, des trucs comme ça. Et c'est trop cool, je trouve, parce que ça donne vraiment une ambiance particulière au récit, d'être immergé dans un récit où ils ont tous des noms comme ça. Je trouve que tout de suite on se sent dans cet univers-là en fait. Et bref, et du coup, pour en revenir du coup aux deux personnages, j'avais adoré leur relation, l'amitié qui se crée entre toutes les deux, leur complicité, leur curiosité mutuelle envers l'univers et la société de l'autre. Et puis c'était génial, le développement de cette relation, c'était trop bien, c'était super dynamique, elles étaient super attachantes, super drôles toutes les deux, et j'avais vraiment vraiment adoré. Et donc là j'ai hâte de les retrouver parce que c'est vrai que c'était un des grands éléments qui avait fait que j'avais adoré ma lecture. Donc voilà, j'attends avec impatience de les retrouver. Mais ce que j'aime bien aussi dans le tome 2, en tout cas dans le début du tome 2, c'est qu'on plonge directement dans le mystère qui nous avait été laissé à la fin du tome 1. Je vous dis, je peux pas vous dire forcément, mais en fait à la fin du tome 1, il y a une menace particulière qui plane un petit peu sur nos personnages. Et là du coup, on entre directement dans le vif du sujet et c'est... franchement c'est cool, c'est assez intriguant, j'ai envie d'en savoir plus et voilà. Et je suis vraiment trop contente de retourner dans cet univers. Donc voilà du coup pour ma lecture en cours. Je vais essayer de le lire pour... Attendez, on est quel jour? Ah merde, ouais, j'ai peut-être mal calculé mon truc. Mince, parce qu'en fait je suis en train de réfléchir que je voulais faire un vlog spécial pour le readathon de ce week-end, le readathon de Too Faced Lizzie. je sais pas dire deux en anglais. et je voulais faire un vlog du coup pour le readathon, sauf que j'aurais bien aimé faire un... Enfin en fait j'avais bien envie ce week-end de faire plein de petites lectures et donc du coup pas forcément de lire ça. Sauf que on est mercredi et si ça commence samedi, je pense pas que j'aurai le temps de le finir. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je le mettrai en pause quelques jours, le temps de faire le readathon. Enfin quelques jours... ça dure un jour ou deux jours le readathon, je sais même plus. Je crois que ça dure...
ça dure. Je crois que ça dure un jour, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais voilà. Bah du coup, voilà pour ma lecture en cours. J'ai hâte d'avancer et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Bah du coup, sur ce, je vous laisse ici et puis bah, je vous reprends plus tard. Samedi 25 septembre, il est 9h38 et c'est donc le début du ridathon organisé par Too Faced Lizzie. On commence le ridathon sur un double échec parce que bah, il est 9h30 et j'avais mis mon réveil à 7h pour me lever, sauf que j'ai oublié de mettre le son sur mon téléphone parce que ouais, j'ai oublié. En fait, j'ai oublié de remettre le son sur mon téléphone parce qu'en ce moment j'ai plein d'appels trop chiants. Et comme je veux les ignorer en toute sérénité, bah je coupe le son pour faire comme s'ils n'étaient pas là. Et j'ai oublié de remettre le son. Bon voilà, du coup il est 9h30, je me suis levée un petit peu tard. Guillaume dort encore, donc du coup je peux pas faire trop de bruit. Et deuxième échec, et ça m'embête plus, il n'y a rien à manger dans la maison. Il n'y a rien à manger pour le petit déjeuner dans la maison. On a tout mangé hier. Ouais. J'ai très très faim, j'hésite à aller chercher un truc dehors mais j'ai pas très envie. Mais voilà, donc du coup je vais devoir cuisiner un truc dont je risque pas de commencer à lire tout de suite parce que la cuisine est en chantier. Franchement j'ai trop honte de l'état de la cuisine, je pense que je vais pas vous montrer. Mais il va falloir que je me cuisine un truc, donc du coup il va falloir que je fasse des machins et que je lave des trucs pour faire des trucs et c'est tout sale partout, donc voilà, du coup je risque pas de commencer à lire avant une petite heure je pense, parce que le matin je suis quand même au ralenti hein. Alors du coup quand même, pour parler de lecture, hier avant de m'endormir j'ai pris le temps de me faire une petite pile à lire des trucs que j'avais envie de lire aujourd'hui. Du coup je me suis sortie le tome 3 de la BD Stand Still Stay Silent de Mina Sundberg parce que, oh ça sent si bon, oh là là c'est un truc de fou cette BD comme ça sent bon. Oh. Alors j'ai aussi sorti le tome 1 de Death Note parce qu'en fait j'ai jamais lu ce manga et je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de le lire. Donc voilà, j'ai sorti ça. Enfin j'ai envie de le lire, en même temps je sais pas trop. J'ai envie de lire mais en même temps je sais pas trop ce que j'ai envie de lire. Je sais pas trop si ça va être une grosse réussite la série d'Aton. J'ai sorti Prodigieuse Créature de Tracy Chevalier parce que j'ai envie de littérature bah pas SFFF en ce moment. Enfin là aujourd'hui, enfin hier soir quand j'ai fait ma pile à lire, j'avais envie de pas que littérature de l'imaginaire, donc j'ai sorti ça. J'ai aussi sorti le tome 5 de Codex Alera de Jim Butcher parce que, bah parce que voilà, je pense que j'ai assez parlé de cette saga pour que vous sachiez maintenant à quel point je l'aime et je l'adore, donc j'ai sorti ça. Et sinon du coup ma lecture en cours en ce moment c'est le tome 2 de Texacallan de Arkady Martin, qui est du coup le dernier tome de la duologie et que j'ai commencé il y a quelques jours. Je suis assez lente sur cette lecture parce que bah, par exemple hier j'ai lu 10 pages et ensuite je me suis endormie. J'ai pas énormément le temps de lire en ce moment vu que je suis pas mal occupée à d'autres trucs. Donc voilà, je l'avance assez lentement et en même temps j'essaie de le savourer parce que je sais pas, en ce moment j'ai envie de... Je sais, enfin c'est pas que, comment dire, c'est pas que je m'étais mise vraiment la pression sur mes lectures, faire des vidéos, avoir du contenu et tout, parce que c'est pas le cas, mais là je ressens le besoin de lire lentement, tranquillement, de vraiment me poser sur cette lecture, et si je l'avance à 2 à l'heure, et bah c'est pas grave, du coup voilà, je l'avance lentement. Et j'aimerais bien aujourd'hui profiter de la journée pour l'avancer, mais toujours sans me presser en fait, parce que c'est vrai que j'ai quand même souvent tendance à me dépêcher sur mes lectures, mais c'est pas parce que je me mets la pression ou quoi, c'est juste parce que j'aime lire vite. Et là je sais pas, j'ai envie de lire plus lentement, donc voilà, je l'avance très lentement. Mais voilà, du coup j'aimerais bien avancer ça aujourd'hui et puis bah, je vais peut-être commencer une autre lecture. J'ai commencé ça, enfin j'ai sorti ça et ça a l'air cool, mais en même temps je sais pas, je suis pas hyper convaincue. On verra au fur et à mesure de la journée ce que j'ai envie de lire, sachant que j'attends une commande de tissus dans la boutique de tissus dans le centre-ville, donc j'espère vraiment que ça va arriver aujourd'hui,
parce que j'en ai besoin pour ce que je dois faire en début de semaine prochaine. Donc bah, si ça arrive, il faudra de toute manière que je fasse une pause dans le Ridaton pour aller chercher ça. Donc voilà, ça fait déjà 13 minutes que je parle. J'ai pas petit déjeuner, j'ai faim. Donc voilà, du coup sur ce, je vais aller affronter la cuisine et je vais aller me préparer un truc à manger. Et puis ensuite je me poserai devant une série le temps de petit déjeuner tranquillement. Et ensuite seulement j'attaquerai le Ridaton. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends tout à l'heure. Rebonjour tout le monde. Alors du coup on est toujours samedi, il doit être 11h passé et je n'ai toujours pas commencé à lire du coup. Parce qu'il n'y avait rien à manger dans mes placards, il n'y avait rien à manger et il n'y avait plus de farine non plus pour préparer du petit déj, il n'y avait rien. Du coup je suis allée au magasin pour prendre des trucs à manger, ensuite j'ai rentré, ensuite je suis rentrée, j'ai pris mon petit déj et résultat je n'ai toujours pas commencé à lire parce que j'ai un peu traîné sur l'ordi. Et là la dame du magasin de tissus vient de m'appeler pour me dire bah que mes tissus étaient arrivés, donc du coup je pense que je vais y aller, comme ça sera fait, mais je vais pas pouvoir y aller tout de suite parce que là j'ai mal au ventre, donc d'abord faut que je prenne mes médicaments et tout parce que j'aurais dû les prendre plus tôt ce matin mais j'ai oublié. Bref, du coup bah, je suis pas prête de commencer à lire du coup, enfin je pourrais lire le temps que les médicaments agissent mais je vais pas lire énormément, mais voilà, du coup j'ai toujours pas commencé, il fait super beau, donc voilà où j'en suis dans mon Ridaton, donc c'est à dire pour l'instant à 0 page lue. Je vais vous laisser là, je vais essayer d'avancer un petit peu pour pouvoir le plus vite possible me mettre à la lecture et voilà. Rebonjour tout le monde. Alors du coup je reviens juste du centre-ville où je suis allée au magasin de tissus pour aller chercher du coup ce tissu que voilà, que j'avais commandé, que je trouve vraiment très joli. Alors Guillaume, moi je trouvais qu'il faisait très automnal et Guillaume me dit pas du tout, il fait très hivernal. Du coup je sais pas qui croire. En général je préfère me croire moi-même parce que Guillaume vous voilà, mais je sais pas, vous en pensez quoi. Moi je trouve que c'est quand même plus automne, il y a, je sais pas, les couleurs, le petit renard et tout, enfin. Je suis aussi allée en librairie, c'était pas prévu mais Guillaume avait besoin que, enfin voulait que j'aille lui chercher un livre, il voulait que j'aille lui chercher du coup le tome 3 de la saga Le Dévoreur de Soleil de Christopher Ryokyo, qui est du coup cette saga qui est parue chez Brajlon. Les couvertures sont vraiment cool, celle-ci elle est un peu flippante quand même, et c'est une saga de SF qu'il aime énormément, qui est inspirée de Dune mais aussi de Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, enfin c'est un petit peu un mélange assez, assez original, et Guillaume adore cette saga de science-fiction, du coup il voulait que j'aille lui chercher le tome 3. Normalement je suis en no buy, je vous en ai parlé dans le book haul qui n'est pas sorti parce que c'est le book haul que j'ai tourné quand je tournais avec l'ancienne caméra, donc en fait il y a plein de problèmes techniques et ça me prend super longtemps pour faire le montage et je suis pas sûre que j'arrive à finir à faire la vidéo quand même. Et voilà, du coup dans le book haul je vous expliquais que je suis en no buy mais que je pouvais quand même acheter certains livres et notamment les suites de saga, parce que je considère voilà, que les suites de saga ça rentre pas tellement dans, enfin ce que je voulais éliminer un petit peu et enfin vraiment réduire avec le no buy, c'est les achats intempestifs de quand tu vas en librairie pour flâner et que tu ressors avec 5 livres, voilà c'est ça que j'essaie de plus, oh il y a une illustration, bref c'est ça du coup plus faire. Et là du coup puisque j'étais en librairie j'en ai profité bah du coup pour prendre le tome 4 partie 2 des archives de Rochard de Brandon Sanderson. La couverture est trop belle, je l'aime beaucoup la couverture. Je trouve vraiment que sur le tome 4 ils ont vraiment fait des très belles couvertures. Je suis pas hyper fan des couvertures des 3 premiers tomes, partie 1 et partie 2, du coup des 6 précédentes couvertures, mais alors le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2 ils sont vraiment trop beau. Donc du coup voilà, je suis allée chercher la partie 2 du tome 4. J'ai déjà lu la partie 1 et ça avait été une petite déception. Enfin ça avait été une... Ah, j'ai un pépin de fruits rouges coincé dans la gorge. Voilà, du coup je disais que la partie 1 avait été une petite déception parce que je l'avais trouvée très lente. J'avais trouvé que on traînait trop sur les personnages alors que moi j'avais envie qu'il se passe des choses et tout. Mais dans la dernière moitié, enfin... disons dans le dernier tiers, dernier quart de la partie 1, il commençait à se passer beaucoup de choses très cool et du coup ça annonçait une partie 2 vraiment trop bien, donc voilà je suis trop contente d'avoir la partie 2 et honnêtement ça me fait super envie. Là je me suis relu le résumé pour me remettre les choses en tête et bah, j'ai trop envie de l'attaquer tout de suite. Alors je pense que c'est pas hyper raisonnable parce que j'ai déjà un gros livre en cours, donc on va voir que j'avance ma lecture en cours, mais j'ai trop envie de retourner dans les archives de Rochard. Qui est une saga que j'aime vraiment beaucoup malgré ma déception du tome 4. C'est quand même une saga que j'adore. Et rebonjour tout le monde. Alors du coup on est lundi et la dernière fois que je vous ai pris c'était samedi.
quand je pensais encore que j'allais vraiment faire le readathon. Finalement du coup samedi j'ai quasiment pas lu, j'ai dû lire peut-être même pas une centaine de pages parce que j'ai passé la journée à faire de la couture. Finalement en fait le matin j'avais envie de lire et finalement j'ai dû aller au magasin faire des courses et ensuite j'ai dû aller au magasin chercher mon tissu et puis ensuite finalement j'avais plus envie de lire. Et voilà, du coup j'ai quasiment pas lu samedi, donc le readathon est un énorme échec, je pense que j'ai jamais autant foiré un readathon. Voilà, du coup j'ai quasiment pas lu samedi, par contre hier dimanche j'ai vraiment bien avancé dans ma lecture, j'ai lu quasiment... Bah j'étais à la moitié du livre et j'ai presque terminé, là il doit me rester... Il me reste une petite cinquantaine de pages pour terminer du coup Une désolation nommée Paix de Arkady Martine, donc voilà j'ai lu presque 300 pages hier. Et c'était vraiment trop cool, vraiment j'aime énormément, enfin je l'ai pas terminé hier soir parce que je commençais à fatiguer un petit peu et aussi parce que j'ai pas envie du coup bah, de quitter les personnages et de quitter l'univers vu que c'est une duologie, c'est le dernier tome et je sais que ça va me manquer parce que j'aime vraiment énormément ma lecture, je suis vraiment trop bien dedans. J'ai eu un petit peu plus de mal je crois, enfin je me souviens plus trop de mon expérience de lecture du tome 1 mais je crois que j'étais rentrée dedans assez facilement et là le début je l'ai un petit peu moins aimé, je l'ai trouvé moins, je sais pas comment dire, en fait c'est parce qu'on n'a pas retrouvé tout de suite nos personnages et là une fois qu'on est avec elle franchement ça se lit mais c'est trop bien, j'aime énormément. Je peux pas vous dire grand chose pour l'instant parce que je l'ai pas terminé donc voilà j'attends d'avoir terminé mais surtout je pense que je vais pas pouvoir vous dire énormément de choses parce que c'est un tome 2 et que en plus de ça tous mes éléments préférés que j'adore vraiment dans ce tome 2 bah c'est vraiment des choses je peux vraiment pas en parler parce que sinon ça spoil totalement le tome 1. Du coup faut que je réfléchisse un petit peu de comment je vais vous en parler mais franchement j'adore, je passe vraiment une super lecture avec ce livre. Donc voilà je pense que là du coup je vais aller me remettre à la couture parce que j'ai plein de trucs à faire et puis je pense que je ferai une petite pause en début d'après-midi peut-être pour terminer ça et je pense qu'ensuite je choisirai une nouvelle lecture. J'ai envie de lire plein de trucs mais là je me dis pourquoi pas, depuis que je l'ai acheté le tome, enfin la partie 2 du tome 4 des archives de Rochard, j'ai pas mal envie de lire ça donc voilà, bon je vais déjà finir et puis enfin je vais déjà finir celui-ci et on verra après. Bref du coup sur ce je vais vous laisser, je vais reprendre la couture et puis bah je vous reprends du coup j'espère tout à l'heure quand j'aurai terminé ça et puis voilà à tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi et ça fait quelques jours que je voulais vous prendre pour vous parler du coup du tome 2 de Texacallan que j'ai terminé. Mais en fait en faisant le montage du vlog je me suis rendu compte que le son de la nouvelle caméra était pas ouf, était vraiment pas incroyable. Donc voilà j'attendais de recevoir le micro pour pouvoir vous faire le petit update lecture et maintenant bah, on va pouvoir commencer. J'ai donc terminé Une désolation nommée Paix il y a quelques jours et j'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai adoré ce tome 2 même si je pense que je l'ai moins aimé que le tome 1. J'ai adoré tout un tas de choses dans le tome 2 que j'avais aussi aimé dans le tome 1. J'ai moins aimé du coup l'intrigue du tome 2 que l'intrigue du tome 1. Et j'ai moins aimé les péripéties, les rebondissements en fait. J'ai préféré en fait l'intrigue, enfin l'histoire et l'intrigue du tome 1. Donc voilà en fait j'ai préféré l'histoire et l'intrigue du tome 1 mais j'ai trouvé que dans le tome 2 on approfondissait forcément énormément de choses, que ce soit l'univers, que ce soit les personnages, leurs relations et plein de problématiques et de questionnements qui étaient posés dans le tome 1 parce que globalement je pense que globalement c'est une biologie qui a pour thèmes principaux l'impérialisme, qui est une critique de l'impérialisme et du coup bah, de la colonisation et ce qui va avec, mais aussi une critique, enfin un questionnement, tout un tas de réflexions sur l'impérialisme culturel et la domination culturelle de certaines sociétés sur d'autres. Enfin, c'est un point assez important de l'histoire et c'est aussi du coup en fait au-dessus de tout ça, enfin je sais pas si c'est vraiment au-dessus en termes de hiérarchie, c'est disons que ça va ensemble, il y a aussi tout un questionnement sur le pouvoir politique et qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le politique, et j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que tout ça c'est dans un contexte de science-fiction assez particulier et que j'ai trouvé très original. Donc voilà, toutes ces problématiques là sont vraiment creusées et j'ai trouvé que c'était très chouette. Et un autre thème qui est vraiment super important dans le roman, qui est très important déjà dans le tome 1 et encore plus dans le tome 2, c'est toutes les problématiques sur le langage qui sont vraiment omniprésentes déjà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les problématiques sur le langage, elles sont présentes à la fois dans le contexte, dans le contenu du roman. En fait, l'histoire nous parle, enfin, comment dire, l'histoire parle de problématiques sur le langage pour certains aspects et en plus le roman lui-même dans sa forme bah, va nous parler, enfin disons que la forme du roman et la manière dont l'autrice écrit son roman et dont l'histoire va nous être racontée
va poser des questions sur le langage en fait. Ce qui est super intéressant dans ce roman et que j'avais adoré dans le tome 1 et que j'ai adoré retrouver dans le tome 2 et qui est vraiment, je trouve, un angle d'attaque super original pour écrire une histoire de science-fiction et toute intrigue en fait, notamment les intrigues politiques, c'est que comme dans le tome 1, dans le tome 2, une grande partie en fait, quasiment toute l'intrigue, toutes les intrigues politiques, tout ce qui va se passer entre les personnages. Ça va passer dans le, enfin, ça va passer par le langage en fait, par les dialogues, par les conversations, par la rétention d'informations, par comment manipuler l'autre avec mon langage, mais comment échapper à la manipulation des autres et comment dire les bons mots pour faire comprendre exactement ce que je veux ou pour leur faire comprendre ce qu'ils croient que je veux, enfin des choses comme ça et c'est super intéressant. Mais du coup, c'est vrai que c'est une narration assez particulière parce que voilà, tout est dans le langage, dans la conversation, dans la réflexion sur qu'est-ce que je vais lui dire, quelles informations je vais lui donner, que je vais pas lui donner et tout. Et moi, je trouve ça génial et j'ai vraiment, vraiment adhéré à cette manière de raconter l'histoire et à, voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial et vraiment original, autant dans le tome 1 que dans le... Ah non, mais là, c'est une blague, j'en peux plus. Faut savoir que c'est, je pense, la 10e fois du mois. Enfin, là, on est le 1er octobre. Mais je pense que c'est la 10e fois du mois de septembre que je me pose pour faire une vidéo et que le voisin commence ses travaux. Donc, je vous avoue que là. Donc, voilà, tout ça, c'est des. Mais c'est une blague! Trop. Donc voilà, tout ça c'est des éléments que j'aime beaucoup dans le roman et un autre aspect que j'ai vraiment adoré et que voilà, que j'ai pareil adoré dans le tome 1 et que j'ai adoré retrouver dans le tome 2, c'est toute, voilà, toute la dimension, je dirais presque anthropologique du roman parce que je trouve... Du coup, je reprends 20 minutes plus tard, le voisin a arrêté ses travaux. Oui, alors du coup, je vous disais que j'avais adoré, du coup, dans cette duologie, tout l'aspect anthropologique que propose l'autrice, qui d'ailleurs est... je crois que c'est son métier, attendez, nanana, de son vrai nom, est chercheuse docteur en histoire arménienne et byzantine. Oui, alors elle n'est pas anthropologue, mais elle est quand même dans, voilà, dans l'étude des sciences sociales et des sociétés et tout. Et je trouve que ça se ressent énormément dans le roman, parce que je trouve que c'est un roman, enfin c'est une duologie qui propose vraiment une immersion très particulière dans le roman, puisqu'on est vraiment sur quelque chose, oui, voilà, en fait, je trouve de presque anthropologique, de l'étude, de la manière dont ils vont, dont la société... Il y a une société principale et une autre, mais on va vraiment s'intéresser surtout à l'Empire Texacalan et vraiment on s'intéresse à leur manière de vivre, à ce qu'ils mangent, à leur culture, à leur art, à la manière dont ils communiquent, où ils perçoivent le pouvoir, où les hiérarchies et tout. Et c'est super intéressant cette immersion parce que c'est vraiment... On a plein de détails, on est vraiment, vraiment dans l'univers en fait. Même toute l'histoire des prénoms dont je vous ai déjà parlé, le fait que les prénoms, ça soit un chiffre plus un nom commun, je trouve que c'est plein de détails qui forment tous ensemble bah, un vrai univers, quelque chose de super, pas juste crédible, mais en fait, on n'est pas, en fait, tous les détails et tous ces éléments, enfin, tous ces éléments sur la société, la culture de l'Empire, c'est pas juste en surface, en fait. Ça crée vraiment quelque chose de très immersif. Je sais pas trop comment dire. Je sais pas si j'étais très claire. Mais je trouve, du coup, que c'est vraiment une incroyable immersion quand on se plonge dans le bouquin, bah, de découvrir, voilà, cet empire qui est, en fait, après avoir lu la duologie, j'ai vraiment l'impression de connaître, en fait, presque d'être allée en voyage là-bas. Et je trouve que c'est vraiment génial, en fait, d'avoir cette sensation de lecture. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cet aspect-là. Autre chose, du coup, que j'ai vraiment adoré dans ce tome-là, c'est vraiment l'évolution des personnages, de nos deux personnages principaux, les deux personnages féminins, mais aussi d'un autre personnage qu'on rencontre dans le tome 1, qui a une place importante mais qu'on voit pas énormément et je trouve qu'il est vraiment développé dans le tome 2 et c'était super sympa de, voilà, de voir son évolution parce que c'est un personnage qui est super atypique et qui est plein d'enjeux très particuliers sur l'identité. Ah oui, j'ai pas parlé de ça aussi, mais une autre thématique super importante de la duologie, c'est l'identité en fait. Parce qu'en fait, Maïd, c'est du coup notre personnage principal qui est l'ambassadrice.
police dans sa station, ils ont un rituel qui consiste en fait à implanter dans la nuque de plusieurs personnes. Enfin, en fait, ils ont ce qu'ils appellent des lignées imago. Et en fait, l'imago, c'est un appareil qu'on t'implante dans la nuque et qui est plein des souvenirs des précédentes personnes qui l'ont porté. Et du coup, ça crée comme ça des lignées d'ambassadeurs, de pilotes, de machins, en fonction de certaines compétences et de certaines affinités, on va t'implanter un imago et ça te permet d'avoir accès à la mémoire de la personne précédente, enfin de toutes les personnes précédentes, mais aussi un petit peu à leur personnalité. Et donc du coup, il y a plein de choses. Elle va avoir du coup un imago qui va être lui implanté dans la tête, enfin dans la nuque, dans le tome 1. Mais justement, elle, son imago va être défectueux. Ça va être un des grands enjeux du tome 1, c'est que ça va la foutre dans la sauce en fait, parce que elle comptait beaucoup sur les informations de son imago pour se dépatouiller et elle va pas pouvoir trop compter dessus. Bref, c'est l'intrigue du tome 1. Et en fait, ces machines imago, ça pose justement plein de questions sur l'identité, de qu'est-ce que c'est que d'être vraiment tout seul dans sa tête ou d'avoir les souvenirs d'une autre personne, mais à quel point ils ont fusionné ou pas fusionné. Et c'est hyper intéressant toutes les questions qu'il y a sur l'identité dans cette biologie, à la fois sur le côté de la lignée imago, mais aussi pour cet autre personnage du coup qui est... voilà, en fait, il y a plein de choses qui se... Il y a plein de trucs super intéressants sur ce personnage, sur son identité, sur ce qu'il est et tout. Et c'était vraiment très cool d'en savoir plus sur lui, de le voir évoluer et de voir où ça menait tout ça. C'était vraiment très chouette et très touchant aussi. Parce que, voilà, je vais pas vous dire, mais c'était très touchant. Donc, voilà. Et oui, du coup, pour en revenir à nos deux personnages principaux, j'ai adoré dans ce tome-là tout le travail sur leur relation, sur leur amitié qui est très complexe. Et en fait, ce que j'adore, c'est que ces deux personnages qui ont presque leur relation, elle a presque un côté un petit peu tragique, je trouve, parce que elles viennent en fait chacune d'un endroit différent. Il y a du coup l'ambassadrice qui vient de la station Lizelle, et il y a Étroit Posidonie qui vient du coup, bah voilà, de l'Empire Texacalan. Et en fait, leur relation, elle est super complexe parce que comme elles viennent de deux endroits différents avec une identité culturelle très différente et très forte, bah à la fois elles peuvent pas se comprendre et il y a un côté presque bah c'est pas possible en fait. Il y a une incompatibilité fondamentale entre elles qui font que ça va poser problème, le fait qu'elles viennent pas du même endroit, et c'est insoluble en fait pour leur amitié, pour leur relation. Et en même temps, bah elles sont faites pour s'entendre et elles ont trop une complicité qui fait. Et c'est vraiment trop chouette en fait. Vraiment, cette relation-là, elle était super chouette à voir évoluer. Et j'ai trouvé qu'il y avait des moments très très forts qui étaient wow, c'est chaud. Enfin, c'était. Bon, bref, c'était très chouette. Et voilà, vraiment, ces deux personnages-là et leurs interactions, c'est vraiment un des points forts du roman, je trouve, parce que elles sont trop drôles et trop touchantes. En même temps, bon, bref, voilà, j'ai adoré leur relation. Et voilà, sinon pour revenir plus spécifiquement sur le tome 2, je trouve que en fait le tome 2, il va aborder une... J'ai plus de batterie. Oh putain, j'ai plus de batterie maintenant. Non mais... J'en ai trop marre. Le tome 2, du coup, il va aborder un sujet assez classique de la science-fiction. Je peux pas vous en parler parce que ce serait un spoil. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était assez intéressant, mais que c'était pas hyper original en fait. J'ai bien aimé la construction de tout l'arc narratif sur ce point-là du roman, parce que en fait, on avance dans le roman et il y a ce moment, à un moment, on se dit ah ouais, d'accord, et on fait le lien et il y a un petit peu une lumière qui s'allume et on comprend où on va et on se dit ok, tous ces éléments-là qui ont été placés avant, ça amène à ça. Et j'ai trouvé que ça, c'était trop cool. Mais par contre, j'ai pas trouvé, à part ça, que le traitement de ce sujet spécifique ait été super original. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage que finalement il y avait un petit vide en fait sur cette partie-là de l'histoire. Et voilà, c'était un peu dommage, mais sinon, en fait, c'est que le traitement de ce sujet spécifique était assez peu original par rapport à l'originalité globale de la duologie, parce que je trouve que c'est vraiment une série de science-fiction que je vous recommande très très fort si vous avez envie de lire quelque chose d'un peu différent en science-fiction, quelque chose qui prend un axe et un point de départ un peu différent, en fait, très original, je trouve, et voilà, bref. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment plus de batterie, mais j'ai adoré ce roman, j'ai adoré cette biologie et j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Donc, voilà, je suis contente d'avoir terminé une nouvelle saga. Bon, c'était une biologie, mais quand même, je l'ai terminée, donc je suis très contente. Et voilà, du coup, est-ce que c'est tout? Oui, je crois que ça va être tout, du coup. Donc voilà, bah du coup, je conclue vite avant que ça s'éteigne. Bah, c'est tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.